Salty Academy vous présente le nouveau recul des armes à feu qui tuent les gens dans Rainbow Six Siege dans une vidéo 100% Salty. Oh quel beau paysage! Rook tes gilets, ben voilà, je m'entraîne à les mettre, regarde. Hop, je les mets. Hop, le round commence, je les mets. Allez, hop, ça commence, je les mets. Hop, on recule d'un pas et on met le gilet. Et le plus grand défenseur de tous les temps va vous présenter le recul. Lui, Rook, le défenseur le plus hypé et le plus stylé. Bon bah ça va, t'emballe pas la voix off. Bon, je vais vous présenter le recul. On va aller tout de suite dans le jardin de Coastline, vous présenter comment est le... Ah bah on y est déjà. Donc comment est le tir actuellement? Bah je vais vous montrer tout de suite comment c'est. On prend une position, là, comme ça, on se prépare. Et là, on arrose. On arrose. Oh putain, c'est pas mal. Je suis assez stylé quand même. Je veux dire, j'ai bien visé. Là, on continue. Regardez la trajectoire. Les balles sont aléatoires. C'est-à-dire qu'elles ne ressemblent... La courbe de tir ne ressemble pas du tout à la première que j'ai effectuée. Hein, c'est l'aléatoiration. Bon, je vous montre tout de suite maintenant, après. Donc, comment c'est maintenant le nouveau recul sur les TTS. Donc, je me mets là. Hop. Ah merde, je me suis gouré. Oh, y'a une mouche. Y'a une mouche. Ouais, elle est où la mouche? Elle est là. Allez. Ah, tas de mouches. Donc maintenant, je vais vous montrer le nouveau recul. Et là, c'est très intéressant. On va voir que les impacts de balles suivent parfaitement une trajectoire définie selon l'arme. Alors, regardez, je m'installe. Hop. Je vise et je tire. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu la lignée que ça fait? Ça fait une lignée parfaite. Et là, à la seconde rafale, on peut voir que la courbe est exactement la même. C'est assez performant. Et l'impact des balles est toujours au bout de la flèche et n'est plus à les gilets. J'avais oublié les gilets. Je suis con. Faut toujours mettre les gilets. Je suis rook. Regardez, l'impact des balles est vraiment au bout de la flèche. Contrairement où avant ça pouvait être aléatoire. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien appris comment est le nouveau recul. Regardez bien le avant après. C'est assez significatif. Donc maintenant, il faudra bien connaître le pattern de son arme pour pouvoir bien la gérer. Et on n'aura plus de tir aléatoire. Toujours mettre un gilet. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que peut servir le nouveau recul en game. A commencer par tenir une ligne avec grande précision. Maintenant, plus aucun ennemi pourra vous avoir. Ouais, bon, pas toujours. Mais aussi, vous pouvez à tout moment faire une partie de billard très précise. Grâce à ce recul, vous pourrez tâter de la boule pour votre plus grand plaisir. Prenez le temps d'en discuter entre amis. Arrête de me moquer de la gueule. Il est bon, en fait. Car ce nouveau recul vous permettra sans aucun doute d'avoir des débats endiablés pour savoir si c'était mieux avant ou après. Mais attention. Attention à pas vous faire défoncer. La Salty Academy vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Outre cela, retrouvez-nous tous les soirs en live sur le Twitch de 6-4, twitch.tv, la barre un peu oblique 6-4, et sur le YouTube de la Salty Academy, sur le live de la Salty Academy, sur le YouTube de... Donc voilà, vous avez compris. A très bientôt, et merci à toi, King.